Salut tout le monde. Alors bah du coup on se retrouve pour la nouvelle vidéo. Donc bah vous nous avez déjà vu hier. Et bah nous aussi en fait on vous a déjà vu hier. Et donc on est mercredi, donc c'est le jour d'arrivée des juments. Donc elle devrait pas tarder à arriver. Stéphanie va essayer de filmer un peu l'arrivée. Et puis bah du coup voilà, je vous laisse avec la suite. Oh là là, la quantité. Oh, elle tétanise. Oui. Oh, elle a un... Oui, t'inquiète pas. Voilà, ça c'est June. Oh, elle est trop mimi. C'est encore une Jeannette aussi. Ouais, ouais, ouais. Elle me fait penser à la mienne en fait. Hein. Ouais, elle ressemble. Oui, un petit peu. Plus grande, hein. C'est la même. Ouais. Elle est plus grande, hein, déjà. Oui, ouais. Elle est grande. Doucement, ma jolie. En novembre, mais assez fort. Vraiment très, très fort, en fait. Généralement, je débrouille pour ça. Regarde comme elle regarde là. Elle regarde Prudence, oui. Donc les juments sont arrivés. Alors il va être 16h et du coup Léa est repartie pour... J'ai même pas dit que c'était Léa. Mais du coup elle s'appelle Léa. Donc Léa est repartie avec son camion. Nous on monte aux chevaux pour les changer de pré, pour pouvoir faire la rencontre dans un meilleur pré demain. Du coup fermer les passages, regarder l'eau. Bon, normalement l'eau c'est bon. Et après on mettra du foin aux juments et leur montrer l'eau. Elles n'ont pas encore vu l'eau et puis c'est mieux qu'elles la voient quand même. Et puis elles n'ont pas bu pendant leur trajet, elle a dit. Ouais. Donc c'est très bien qu'elles boivent quand même. Ouais. Premier passage. Ouais, bah oui, le prix est tellement grand que... Alors celui-là, ceux d'en haut c'était bon ? On va peut-être aller voir quand même. Donc là pour la rencontre en fait ils auront jusqu'au fond là-bas, tout ça, tout en dessous. On voit pas là tellement c'est grand et hop tout là et toute cette grande partie là, jusqu'en haut, là-haut, jusque là. Venez, venez. On fermera parce que... Ok. Mon pauvre Dienos, demain, si tu savais. Oui. Tu resteras bien de ton côté, toi. Non, elle est pas pauvre. Ça va, là, ça bien. Ah, ma chichi. Ouais. Allez, c'est parti. Allez. Doucement, Ifi. Oh. Allez, dame. Attention, Indien. C'est bon, mon Janus, arrête-toi, mon Titi. Attends, Pinocchio. Salut, ma chichu. Tu devrais te préserver pour demain. Hein. Allez, vas-y, hop. Oh là là. On dirait qu'elles ont été enfermées. Ouais. Bah, c'est normal, t'as vu comme c'est grand. Oh!
Bah voilà. Oui, oui, c'est vrai qu'elles sont pas loin l'une de l'autre. S'il y en a une qui est nie, elles vont s'entendre. On est revenu des chevaux du coup. Il y en a encore avec des chevaux. Non mais on va essayer de les attirer pour qu'elles sachent où est l'eau. Parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, elles n'ont pas bu depuis ce matin. Il est quand même 16h donc ce serait bien qu'elles boivent. Du coup on va essayer de les emmener soit là-haut soit en bas parce qu'il y a plusieurs points d'eau. Ah oui, ça monte hein, là, c'est horrible. C'est parti. Allez, en avant. Allez, c'est parti. Oh bah, l'eau, elle se roule l'autre, c'est pas le moment. Viens. Viens, on va boire un coup. Bah oui, hein. On va boire un coup. Ouais. Ouais, elle vient, elle vient, elle vient. Ouais. Et voilà. Ah. Il y a des œufs de grenouille. Ah, mais elles veulent vraiment pas boire. Viens. Et la June, elle veut pas. Non, bah écoute, hein. Mais les têtards, ils vont crever, non? Bah ouais, il va geler et puis... C'est une garotte. Ça y est, c'est croqué. 3 heures plus tard. Ça y est, c'est croqué. Ça y est. Oui, maman, elle est partie là-bas. Donc on les a emmenées à l'eau, mais elles n'ont pas l'air de vouloir boire. Alors, on va les laisser tranquilles. De toute façon, maintenant, elles ont vu l'eau. Puis après, il y a plusieurs endroits d'eau, donc... Elles finiront bien par trouver d'elles-mêmes. Et du coup, je voulais vous les présenter. Alors, elle, c'est Jouvence. Elle va avoir 26 ans le 30 avril. Elle est née en 97. Bon, là, elles prenaient pas en compte comme elles sont maigres et déshydratées, puisque bah, elles ont pas bu depuis ce matin. On essaye de les faire boire, mais elles veulent pas, donc voilà. Et bah, elle est vieille. Et puis l'autre, dans leur ancienne pension... Il leur donnait pas trop de foin, etc. Donc voilà, après avec l'herbe du printemps ça va aller mieux. Puis avec du foin ça va aller. Et du coup on a June, donc qui va avoir 4 ans. Je sais plus sa date de... Enfin je n'ai jamais su sa date de naissance précise. Elle va avoir 4 ans. Et du coup c'est la fille de Jouvence. C'est un accident de près, donc elle s'est retrouvée avec deux chevaux. Pas volontairement. Donc Jouvence, elle fait plus rien maintenant. Bah, elle a 26 ans, donc voilà. Par contre, elle a eu une carrière de CSO et de dressage. Et puis June, elle est seulement débourrée. Elle a encore quasiment rien fait avec elle puisque bah, elle habitait loin d'elle. Donc bah, elle a pas fait grand chose avec elle, mais voilà. Et donc on vous retrouve demain pour la fameuse rencontre avec les chevaux. Et bah voilà. Ça y est.
qu'après elle va trouver la rigole là-bas. Ouais, voilà, ça y est, elle est passée de l'autre côté. Ah, elle va revenir. Non. Elle repasse. Oh là là. Iphigénie. Oh là là. Oh, en puissance. En puissance. Oh là. Qu'est-ce que c'est ? Elle va se rouler ? Ah non. Non. Donc Clarisse vient de m'appeler, j'étais en train de rentrer chez moi et en fait nos juments ont passé les fils, donc je remonte rapidement et en fait je le dis là, je filme là parce que je me dis que si ça se trouve la rencontre ne se fera pas demain matin mais genre tout de suite, donc voilà, je remonte. Ah, je vois pas les juments. Ah, elle a rattrapé Ify. J'arrive, t'as besoin de moi ? J'arrive. Ah putain. Ify, elle en peut plus quoi. Elle paniquait, elle était là-haut, elle disait. Papa, il croyait qu'on n'avait pas fermé un passage. Oh là 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 ! Ça va ma beauté ? Ça va ma beauté ? Tu les verras demain. Elle est trempée de sueur. Demain, demain, demain. Ah bah. Ils ont pété là ? Oh purée ! Soyez sages. C'est demain que vous voulez. Que vous serez avec les copines. Bon, donc je sais pas si vous aviez compris, mais en gros, elles ont pété un fil qui était là-bas. Elles ont coupé le fil en deux. Et là, Clarisse est partie voir là-haut parce que papa disait qu'apparemment on aurait oublié de fermer un passage. Enfin, de remettre un piquet. Donc elle est partie voir. Mais sinon, tout le monde est rentré auprès Ify. Ouais, je sais pas si ça va tenir toute la nuit. Hein. Tu les verras demain matin, les copines. Oh là là, demain matin, la copine. Bon, enfin, en tout cas, elles en avaient rien à foutre de vous. Oui, elles s'en foutent, elles. Clarisse est en train de remettre le piquet blanc. Donc, en fait, oui, c'était grand ouvert. C'était grand ouvert. Bon, tout le monde est rentré. Et normalement, on se retrouve demain pour la rencontre. Cette fois, c'est la bonne. On se retrouve le lendemain, il est 9h30, j'attends Clarisse qui était aux vaches. Et après on va faire la rencontre avec les chuchus. Alors il fait un temps de merde donc je pense que je vais prendre ma GoPro parce que j'ai pas envie de bousiller mon petit Canon. Donc je vais filmer avec ma GoPro, vous aurez sûrement un changement de qualité mais ça c'est pas très grave. Mais tu mets ? T'es content ? Une branche dans la queue. Ah bah ça. Même mamie je pense se met à trotter. Prêt ma mamie ? J'attends une droite, elle. Oh là, doucement, ma belle. On va pas s'enfuir. Oh, que vous êtes jolie, mes filles. J'ai un peu de poids, mon bébé. Ça passe si je te confie, mamie. Tu veux la pomme aujourd'hui? C'est la pause, c'est la pause, elle souffle. Ouais. Ah, June, elle a peur. Il faut juste faire derrière et elle avance. Oui, voilà. Alors, je les vois pas. Je vois pas les nôtres. Je les vois pas. Ah si, il n'y a pas les ânes au fond là-bas. J'ai pas mes lunettes. Donc elles doivent être là-bas au fond, je pense. Encore un peu, on avance. Voilà. Passe devant. Les nôtres ont pas vu encore. Elle va toute belle. Ça y est, elles ont vu.
les ânes ont vu. Bon, les ânes, il n'y a pas vraiment aussi. Bah non, je crois qu'elles n'ont pas capté encore. Qui c'est qui va venir? Vous pensez en premier? Moi j'aurais dit Ifi. Ouais, je pense Ifi. Mais bon. C'est Ifi, le... Ifi, c'est elle, elle vient. Dès qu'elle voit un truc, il faut qu'elle y aille, ouais. Dès qu'elle voit quelqu'un. C'est ça. Alors elle va aller voir Indien. Oui. C'est elle qui se met en mouvement en première. Ah bah les deux finalement, elles arrivent toutes les deux. Oh là là. Oh, elle fait le gros poney. Fais attention à toi mon Genos parce que elles sont. Ah voilà Ifi. Ah Ifi, bah ça c'était sûr. Lily. Oh là là. Elle est plus intriguée par les ânes que les juments. Jouvence, elle va aller voir Indien. Il va avoir peur non? Aïe, ça y est. C'est Hop. Les rencontres. Hein. Ouais. Bon, les ânes, il n'y a pas trop de risques, faut juste pas qu'elle... Pinocque est resté planqué dans un coin. Oui, bon, c'est bien, il est bien. Oui, oui, c'est mieux. Dans son petit coin. En plus, regarde, c'est les vôtres qui... Ouais, mais elles protègent les ânes. En fait, c'est leur enfant, les ânes, c'est un truc de ouf. Quand on avait mis Ifi avec les ânes et Lily, en fait, Lily empêchait d'aller voir les ânes. Ouais. C'était incroyable. Et oui, Ifi, oui. Elle est en train de faire pareil. Ouais, ouais, elle fait pareil, c'est ça. Ouais, leurs ânes, c'est un truc de ouf. Ouais, faut pas toucher, quoi, c'est vraiment incroyable. Oh là là, ma jouvence s'est galopée. Lily, elle fait pareil, elle lève, mais... Ah, Ifi. Doucement, elle Ifi, lui a montré les fesses. Ouais, 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 ouais. Mais après, elle est pas agressive. Jouvence, elle est pas du style. Non, mais moi, je les trouve... Oh, mon Dieu. Mais pourquoi il crie? Je sais pas. Genos. Regarde, on a vraiment les clans. Oui. Hé, hey, les filles. Ifi est... Ouais. Elle est défensive aujourd'hui. Bah ouais, là, ouais, ouais. Elle retourne. Ah, ça y est, c'est reparti. Il va falloir faire gaffe à nous, surtout. Ouais. Qu'on se fasse pas écraser. Hé, là, les filles, pas ici. Ouais. Oh, que la mimi. Oh, bah, ça. T'es ma grosse. Ah, bah, ça. Ça y est, le fil, hein, Jouvence. Oui, ouais. C'est bon. Jouvence, tu reviens? Il y a le fil là. Et voilà. Oh, oui, les chouchous. C'est par là, les filles. Bon, Lily, elles ont eu. Ah, voilà, c'est bon. C'est par là, les filles. C'est par là. Attention, voilà, Ifi. Non. Chouchou. C'est par là. Voilà. Venez. Ifi. Là. Chouchou. Là. Viens. Ah, les ânes. Ça va, mon titi? Ça va, mon bébé? Oh non, t'es perturbé, hein. Le bonbon, c'est pas trop pour aujourd'hui, hein. Ça va? Ça va, mon titi? Bah, Ifi! Ifi! Allez, on part. Allez, ma vieille. Allez. Voilà. Allez, ma fille. Hop. Nana, pas là. Ouais, si elles reviennent au passage. Nana, Lily. Regardez, j'ai une longe géante. Elle empêche de passer. De l'autre côté. Voilà. Très bien. Lily, elle va mourir. Oui, oui. C'est le sport de l'année. Là. Oh, ah, bah, là. Je pense aussi, hein, parce que je pense. Là, je l'ai vu tantôt galoper en montée. Oui. Je pense qu'elle n'a pas fait ça. Elle est séchée. Elle est surveille. On est là. Non mais les ânes. Oui Lily. Mais je pense aussi elles sont allées près des ânes au début. Hein. Lily.
Vous les laissez souffler 2 secondes, hein. Lily. Et toi, c'est pareil, hein. Doucement. On a rechopé les jujus et Léa est partie avec les 2 siennes à l'eau. Parce que c'était un peu la folie. Et ça y est, elles se sont un peu calmées là. Ouais, ouais, elle court. Dis, elle aurait pas été les voir, elle était excitée, tranquille. Mais Ify court après la vieille. Donc c'est sûr qu'après la mamie, faut qu'elle tienne le choc, hein. Toi, t'as facile, hein, Ify, hein, à 4 ans, là. Tu pourrais courir après June. Ah bah oui. C'est pour ça que tu le fais pas, c'est parce que tu fais pas la maline. Exactement. Hein, les meufs. Bon, sinon, les salons, tout va bien. Pour les salons. Oh, ma creuse. Je lâche Lily ou pas? Je lâche Lily? Bon, June est lâchée et Clarisse va avec Ify. Non, Elibelle, non. Oh, les salons. Ah, je vois qu'elle est énervée. Ouais, ouais. Très énervée. Oui, ma fille. Tu iras tout à l'heure. Ah, elle aime pas quand les ânes y sont auprès, hein. Oui. Non, 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 Lily. Ok, oh Lily. Très bien. Non, tu n'avances pas. Non, 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 Lily. Non, non, Lily, ça l'énerve aussi. C'est pas, elle fait avec June. Ah là, je vais mettre là. Je vais me mettre. Je vais me mettre là aussi. Attention à vous. Tu ne viens pas ici. Non, non, non. Bah, je pense que June a compris là. Je sais pas pourquoi elle insiste comme ça. Stop. Ça suffit, elle a compris. Tu sais, elle est aussi fatiguée que toi. Ah oui, c'est clair. Hein. Elle a eu ça. Non, pas près. Pas jouvence. Je vois tes oreilles, hein, mademoiselle. Pas jouvence. Tu crois qu'on n'a pas vu que tu plaquais? June, elle a compris. Elle ouais, ouais, bah oui, elle a compris, hein, ça sert à rien. Je vais les protéger. Non. Elle est de l'autre côté. Regarde, je suis plus grande que toi. Pas vraiment, mais. Je peux être plus impressionnante. Ça, tu vas voir, je peux être impressionnante. Tu laisses ma jouvence en paix? Tiens, y a les... Non. Tut. Lily. Oui, ma belle, je sais que tu paniques. Ah, les chuchus, non, les chuchus, le fil, les chuchus. Ah, putain, voilà. Passé. Allez, go. Merci. On devrait rester là-bas. Oui, je pense. Ify, venez là, les meufs. Attends, je vais rechauffer ici. Ah, d'accord, vas-y. Elles aillent par les bras. En fait, elles veulent les tirer, quoi. Ah, elles veulent les tèges. Attention à toi, Clarisse, hein.
Ah voilà. Voilà, c'est fait. Y'a Lily. On va regarder. Lily. Y'a ma fille. Voilà, c'est tout. Viens, bah. Est-ce qu'on peut tenir Lily et remettre Ify avec les deux là-haut? Non, ça va être la cata. Ça va rien changer, hein. Bon, je fais un autre essai comme c'est Ify qui pose problème. Je vais. Lily mange son foin de l'autre côté. Moi, je vais essayer de m'approcher. Ça va pas. Ok, au. Oh. Bon, Lily a couru après Jouvence, mais là ça s'est calmé. Il est midi. Ça s'est un peu calmé, mais je tiens toujours Ify. Ça fait deux heures qu'on est là. Compliqué, hein? Ouais. Bon, ça s'est un peu calmé, hein? Ça va mieux. J'attends Clarisse avant de lâcher Ify. On verra bien ce que ça donne. Lily vient de s'éclater au sol. Les ânes étaient en train de s'approcher des juments. Putain. Elle s'est vautrée par terre. Impressionnant. Viens Lily. Viens là ma fille. Viens là. Viens là. J'amène Ify là-bas. Ouais, au troisième tas de foin. Viens. J'amène Ify au troisième tas de foin. Lily a viré les deux. Oui, oui, la chuchu. Ça ressemble presque... C'est beaucoup mieux. Ça semble pas être trop du chargeage, quoi. Ça ressemble presque ah, du Ify jeu. Ah, Ify, elle joue. Oui, c'est ce que j'ai en train de dire. Ify, elle joue. À du jeu, là, à du jeu, ouais, presque. Oui, là. Oui. Du coup, on est redescendu. Quelle heure il est? 13h. 13h. On est redescendu juste 5 minutes. Hein. On a juste mangé et bu un coup. Et là, on remonte remettre du foin parce qu'on ne l'avait pas mis assez. Enfin, j'en avais plus. Il fallait qu'on redescende une balle. On remonte les granulés pour Jouvence. Du coup, on va aller voir si tout va bien. On enlève les bicoles. Si tout va bien, on enlève les bicoles. On met le foin, on donne les granulés. Voilà! Allez, go, on y retourne. Ça va les meufs? Ça va la June? Ouais, ça va? Ouais, ma Ufa. Ça y est, t'es calmée? Ah! Oh! Matthew, j'en chie! Tenez, madame. Je peux prendre le vide si tu veux. Elles sont attribuées. Aïe 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 aïe. Attention à toi Clarisse. C'est bon, elles ont compris, Ellibelle. Réparation faite. Reculez. Attention les anneaux. Les flèches sont là. Oh, elle appelle la Jouvence. Merde, il y a la UFA qui va s'amener. Et puis elle trotte. Oh, oh puis Lily, elle va faire pareil. Bah, sinon, je tiens ici avec une longe, moi. Viens ma fille, tu
tu vas attendre quelques minutes. On n'y va pas. Très bien ça, ma fille. Très bien. Allez manger votre foin. Allez manger votre foin. Ah voilà, elle a réussi à la choper. Ah là là! Quelle aventure! Pétez pas le quad, hein! Ah bah c'est bon! Nickel! Regardez ça! Comme ils sont sages! Ah non, Ifi! Quand je vire les ânes, en fait... Allez, Juju venait, mais là, non, non. Non, là, ça mousse. Là, c'est plus pareil. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Je vais y aller. Ellie Belle! Je vais essayer de choper Ifi. Ah, je vais la choper. Ifi! Ifi, viens ma fille. Viens ma Ifa. Hop là. Ah bah, excellente question. Encore un petit accident de parcours. Jouvence est en train de se barrer. Ah, puis je peux pas venir t'aider parce que je peux pas fermer. June! Ah, je peux pas fermer le passage, putain. Attends, j'arrive. C'est bon. J'ai fermé avec la longe. Oh putain, c'est pas vrai. Oh, le fil est brillé. Attends, j'arrive, Michel, hein. Jour numéro 3571. Réparation de parc numéro 7800. Ah mais c'est juste mon raccord qui a sauté. C'est ça. Mais là si tu redescends, moi ce que je peux faire c'est prendre le saut puis croiser là. Comme ça que ça les excite pas à aller là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça tu me récupères en dessous là-bas. J'attends mon chauffeur. Bon, on vient de rentrer. Du coup, les images que vous avez vues avant, c'était quand on est remonté, donner le grain et la suite du foin, etc. Donc là, on est redescendu parce que ça s'est calmé. Bon, comme vous avez vu, June, elle est encore repassée dans les fils. Bon, elle casse jamais rien parce qu'il y a toujours tellement de raccords. Et puis, soit elle passe au passage, du coup, c'est la poignée qui casse, soit... là, c'était le raccord que j'ai fait hier soir qui a lâché. Donc on a remis tout le monde. Steph est partie avec le seau en bas. Enfin, elle a croisé pour pas que les autres me suivent. Parce que du coup, sinon ils auraient croisé les deux. Mais bref, voilà. Quand on n'est pas là, ça a l'air d'aller. Là, c'est parce qu'on est arrivé avec un seau et tout. Donc forcément, tout le monde était un peu rechahuté, on va dire. Et du coup, ce matin, en fait, on les a lâchés comme ça. On s'est dit, bon, ben, on verra bien. De toute façon, il fallait bien à un moment donné qu'elles soient lâchées. Et donc les deux nôtres, enfin surtout Ifi a été très agressive avec les deux. Donc elles ont traversé une première fois la poignée. On a réussi à les remettre. Puis elles ont retraversé la poignée. On a réussi à les rattraper. Et ensuite on a un peu temporisé, on va dire. On est resté derrière la clôture avec les deux de Léa du coup. Et puis
on a essayé de les faire sentir, mais Ifi a repété le fil avec son antérieur, elle a passé dessus et du coup, elle a repété le fil. Bon, c'est pas grave, à chaque fois, c'est la poignée qui casse. Après, du coup, on a lâché que Lily et puis Ifi était là, mais attachée, enfin, Stéphanie la tenait. Donc du coup, Lily a pu faire son affaire avec les deux. Après, moi aussi, je la tenais des fois, Lily, pour pas qu'elle aille les tabasser non plus. Bah voilà, après, elles ont été voir les ânes, tout ça. Après, on a mis le foin, donc les ânes sont venus manger Lily. Et puis après, Stéphanie a lâché Ifi, du coup, à son tas de foin. Puis elles ont été courir un peu après les deux. Mais après, elles sont revenues au foin et puis nous, on est partis manger. Puis après, bah vous savez, on a essayé de donner la ville, etc. Là, ça a l'air d'aller. De toute façon, je pense que je vais y retourner d'ici une heure et demie. J'irai tranquillement pisser dans le pré pour voir comment ça se passe. On a laissé l'hélicole aux deux nouvelles et à Ifi. Si cet après-midi, ça se passe bien, j'irai leur enlever aux trois. Et puis, de toute façon, je leur enlèverai ce soir parce que ce soir, on leur remettra du foin. Si elles ont tout mangé, je regarderai cet après-midi pareil. Du coup, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!